Bonjour à tous, ici parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia The Strongest Heroes. Et aujourd'hui, on va parler dans l'Obstacle Race des bonus de connexion. Donc, on sait qu'on a eu les bonus de connexion de base, mais aussi on avait des bonus de connexion par pack, donc à payer avec les Hero Coins. Quand j'avais fait la vidéo sur Obstacle Race, j'avais dit que c'était pas intéressant parce qu'il y avait quelques-uns de débloqués, hein. Et bon, vu ce qu'il y avait, c'était pas intéressant d'utiliser des Hero Coins dedans. Sauf que à partir d'un certain moment, on a des tickets aussi. Donc, on a des tickets violets sur les personnages spéciaux et des tickets bleus et noirs. Donc, c'est les tickets de cartes passives d'un personnage spécial. Donc, on pourrait se dire finalement, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant parce qu'on a des fois un ticket, des fois deux tickets et après trois tickets. Et à la fin, si on a acheté les 10, on a quand même quatre tickets de chaque, plus une carte, possiblement une carte level 6 ou une carte level 5. Bon. Carte level 6 si vous avez de la chance et un truc d'amélioration des équipements. Donc on pourrait se dire c'est plutôt intéressant où ça s'équilibre. Bon, pour ça, j'ai calculé le nombre d'Hero Coins que vous allez dépenser pour acheter tous les packs et vous allez dépenser 5500 Hero Coins pour acheter tous les packs. Et si vous achetez tous les packs, vous avez 21 tickets en tout entre les tickets violets et les tickets noirs. 21 tickets, ça coûte 5250 Hero Coins. Donc, bah, en fait, vous allez dépenser plus d'Hero Coins que ce que vous pourrez acheter. Enfin, vous pourriez acheter, parce qu'en vrai, avec 5500 Hero Coins, vous pouvez acheter 22 tickets au lieu de 21. Mais dans les packs, il y a d'autres trucs, il n'y a pas que les tickets. Hein, comme on a dit, là, à la fin, vous avez possiblement une carte 6 étoiles, ce qui est vachement rentable. Truc d'équipement. Là, pareil, encore équipement. Équipement, équipement. donc encore, il y a, bon, y a des trucs en plus, des points de talent, tout ça. Donc, au final, ça peut être rentable. Voilà, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez dépenser 5500 Hero Coins pour avoir tout ça? Ça, c'est rentable si on associe tout, si on ajoute tout, donc toutes les ressources que vous gagnez, c'est rentable. Maintenant. Vous savez que les Hero Coins, en tout cas moi je préconise que les Hero Coins soient utilisés que pour les tickets et pas pour autre chose. Donc c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez acheter ces packs-là ou pas? Moi je conseillerais que ça pourrait être intéressant. En tout cas moi je vais le faire parce que possiblement je peux avoir une carte 6 étoiles. Et si j'arrive à avoir une carte 6 étoiles, donc avec ça quoi, bah du coup c'est vachement rentable quoi. Parce que pour avoir une carte 6 étoiles c'est pas simple. Donc voilà, c'est un peu petit bonheur la chance, mais on va espérer. Donc moi je vais acheter tous ces packs. Maintenant, vous n'êtes pas obligé si vous voulez tout garder. Parce que là, comme j'ai dit, hein, vous avez 21 tickets, mais de chaque. Enfin, pas de chaque, mais répartis entre les violets et les noirs. Si vous voulez acheter demain 21 tickets que de violets, bah vous pouvez. Alors que là, ben bah, non, là vous aurez noir et violet. Donc c'est à vous de voir. Sincèrement, c'est à vous de voir, mais moi je pense que ça peut être rentable. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais les acheter. Alors malheureusement j'ai pas, enfin j'ai combien d'Hero Coins? Je crois que j'ai 11 000 Hero Coins. Ouais voilà. Donc bah, ça va me demander quand même beaucoup, hein. Beaucoup d'Hero Coins hein, pour tout ça. Mais je me dis que au final ça peut être intéressant. Donc bah, on va le faire, on va le faire et on va croiser les doigts pour avoir une carte 6 étoiles. Voilà. Parce que si j'ai pas une carte 6 étoiles, en fait je fais ça juste parce que j'ai une chance d'avoir une carte 6 étoiles à la fin. Ou sinon, je ne l'aurais pas fait. Voilà. Parce que bon, comme vous savez, une carte 6 étoiles, c'est pas simple à avoir. Donc voilà, je préfère faire attention. Bah, du coup, j'ai 11 tickets là. Bon, je vais pas les utiliser, hein. Ne vous inquiétez pas. Et là, 11 aussi. Bon, ok. C'est plutôt pas mal. Ah, mais là, ça coûte 1500. Ah, je savais pas que ça coûtait des Hero Coins. Du coup, ça coûte encore plus des Hero Coins. Et du coup, bah, du coup, c'est encore moins rentable, en fait. Ah mais non, du coup c'est pas rentable en fait. Du coup c'est pas rentable parce que du coup ça fait 7000 Hero Coins pour débloquer tout. Ah je me suis fait avoir. 7000 Hero Coins pour tout débloquer, c'est énorme. C'est énorme. C'est... Bon, bah, je me suis fait avoir, je savais pas, j'ai cru que là ça se débloquait tout seul. Vu qu'on avait acheté les autres. Et ça aurait été logique. Mais non, ce n'est pas rentable en fait.
Non, 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 non. En fait, non, parce que 7000 Herocoin, c'est énorme. Et ouais, c'est ça, putain. Bon, maintenant que j'y suis, je l'achète, mais en vrai, c'est pas rentable, hein. Ça peut être rentable si j'arrive à avoir la carte 6 étoiles, mais non, même pas. Putain, voilà. Du coup, non, en vrai, c'est pas rentable. Ne le faites pas. Moi, je conseille pas de le faire, du coup. Bah, je me suis fait avoir. Voilà. Je me suis fait avoir, voilà. Donc, on va voir. On va espérer avoir une carte 6 étoiles. Allez, on croise les doigts. Et non, même pas. Même pas une carte 6 étoiles. Du coup, non, je me suis fait avoir, mais comme pas possible. Je suis dégoûté là, par contre. Là, je suis complètement dégoûté. Je ne vous conseille absolument pas d'acheter ça. Voilà, c'est vraiment pas rentable en fait. C'est beaucoup trop cher en fait. Beaucoup, beaucoup trop cher. On pourrait se dire là, c'est 100 Herocoin pour 3 tickets. Du coup, c'est même pas rentable en fait. Parce que 3 tickets, c'est 750 Herocoin. Donc, non, voilà. Ne pas prendre ce pack-là. Je l'ai pris. J'ai jeté du coup des Herocoin dans le vent en fait. Hein, parce que j'aurais pu acheter beaucoup plus de tickets avec ces Herocoin. Voilà, je me suis fait avoir. Donc, ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. Bon, du coup, pour terminer cette vidéo, on va faire quelques invoques hein, sur ce portail-là et sur ce portail-là. Parce que là, je peux faire une multi. Là, je peux faire deux multi. Donc, voilà, on va faire ça. J'espère. Bah que je vais dropper du lourd du coup, hein, je me suis fait enfler tout à l'heure. Franchement, ce jeu il m'enfle. Il me. Ah là là, sérieux, il m'énerve. Il m'a énervé là. Ah, mais sérieux. Bon, j'espère que je vais choper Momo. Voilà, si tu veux me le rendre maintenant, fais en sorte que je chope de Momo. Momo Yayorozu. Voilà. Non, parce que là, ça m'énerve. On va mettre Momo. Oh non, mais sérieux. J'ai cru que c'était gratuit le dernier. Du coup, je me suis dit, oh, ça peut être intéressant. Non, genre. Il m'a fait croire que j'allais avoir un S quoi. Ah, j'étais là en mode ouais, ben finalement ça peut être intéressant. Mais non, 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 ça peut pas être intéressant. Ah non, mais sérieux. Bon, ben on part sur le portail passif. Petit cœur. Non, mais sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Mais sérieux? Le portail de carte est cassé en fait. Le portail de carte est cassé, ça fait 3 fois de suite que j'ai une 6 étoiles. En plus là, 2 fois. 2 fois lui. Mirio. Ah vas-y, allez, 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 allez. Je sais pas, le cœur ça a marché, on va refaire. Bon, il est mal. Ah j'ai cru. J'ai cru une deuxième fois. Bon. Bon, de toute façon, les 20 tickets, je les avais même si j'avais pas fait le truc. Donc, j'aurais eu quand même une carte 6 étoiles. Mais, bon, là, j'ai 15 tickets, 15 tickets. Mais, j'en reviens pas là. Là, j'en reviens pas sur d'avoir eu la carte. Ok. Bon, tant mieux. Je suis content d'avoir eu la carte. 2 fois. Je suis vraiment content de l'avoir eu. Maintenant, pour. Enfin, ce qui concerne ça, le Sport Support Pack, ne l'achetez pas. Voilà, c'est pas rentable. Sincèrement, c'est pas rentable. Vous pouvez acheter du coup 21 tickets comme ça, ou 21 tickets comme ça si vous souhaitez. Ça vous coûtera moins cher que tout ça. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, voilà pour cette vidéo. Cette vidéo, je me suis fait enfler, mais où en contrepartie, j'ai quand même eu 2 cartes Support Level 6. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Hein, voilà, j'espère que vous n'avez pas fait la même erreur que moi, parce que sincèrement, je trouve vraiment pas ça. Voilà, je trouve ça dégueulasse leur truc où ils cachent le prix à la fin, sincèrement. Donc voilà, merci. N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, merci, ciao.